Comme vous avez sûrement pu le voir un peu partout, si ce n'est simplement le voir si vous regardez Kobayashi, cette chose, qui est un personnage introduit dans la saison 2, a fait pas mal de débats au sein de la communauté. Et à vrai dire, les personnages aux grandes formes font souvent le même effet. On a pu l'observer avec Uzaki-chan, l'anime qui est sorti la saison dernière, il me semble, et on a encore plein d'exemples que vous-même pourriez donner tellement ça fait parler. Mais cette fois, à l'occasion de cette chose, je peux enfin dire mon avis là-dessus. Et même beaucoup développer, car en effet, je regarde moi-même Miss Kobayashi chaque semaine. Je suis comme beaucoup d'autres personnes, hein. J'aime avoir mon petit moment détente, tranche de vie à moi dans la semaine. Mais bon, en voyant l'introduction de Ilulu sans même avoir été dans tous ces débats, je me dis... Attends, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir d'aussi gros nibards sur un corps à l'aspect aussi jeune. Mais attends, mais c'est l'alibi parfait pour les fans de Loli. Et en voulant pousser plus loin la réflexion, je me suis dit autant en faire une vidéo en fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré de Miss Kobayashi, si vous regardez, pour le référencement. Et je ne vous fais pas plus chier, et c'est pour ça qu'on lance l'intro. Notre cher Ilulu, Dragon Loli au gros sein, écoutez j'invente rien, hein, a fait son apparition dans le premier épisode de la saison 2 de Miss Kobayashi, se posant dès le début et sans aucune vergogne comme l'antagoniste d'ouverture de cette saison 2. Mais la plupart des gens, au lieu de regarder leur série préférée évoluer et apporter du scénario et du background à certains personnages et à l'univers, préfèrent s'attarder à des choses, si je puis dire, un poil plus futiles. Donc il en va de soi que beaucoup n'étaient pas prêts à l'arrivée du personnage. Et je vais pas vous mentir en disant que c'est plus du côté des ricains que les remontrances ont pu se faire nombreuses. A vrai dire, je crois n'avoir pas vu beaucoup de monde dans le domaine de la francophonie vraiment s'indigner du chara-design de Ilulu. Waouh waouh waouh, la France on est là, RPZ! On n'a pas dit de la merde, on l'a senti venir, RPZ! Et souvent, t'as des camps qui en ont juste rien à foutre, je pourrais m'y identifier un peu à la rigueur, et t'as des gens qui se sentent un poil trop concernés, comme si la série était faite par leur daronne quoi, hein, voyez. Alors que bon, ce genre de personnes ne cherchent généralement pas plus loin, car Ilulu finit par avoir un développement, une caractérisation et même un background qui va lui donner plus de profondeur et expliquer certaines choses très utiles, comme le fait qu'en fait, elle aime bien les humains, qu'elle a dû prendre maturité trop rapidement à cause de son environnement, et que ses énormes seins sont en fait dû au fait qu'elle ne contrôle pas encore assez sa magie pour prendre une forme humanoïde plus adéquate. Donc finalement, même une chose que l'on pourrait considérer comme une futilité, bah la série le justifie quand même, sans être trop lourde dans les explications et en nous faisant rire juste après. Et ça c'est beau putain! De toutes les façons, honnêtement, c'est pour ça que j'adore Kobayashi, mais ça j'en reparlerai dans une vidéo dédiée plus tard. Car même tout cela une fois expliqué, j'ai toujours mon esprit qui me fait me poser beaucoup de questions. Est-ce que je ne considère pas assez ce que je regarde? Est-ce que la bizarrerie des animés me fait finalement accepter des choses que d'habitude je n'accepterais pas? Et le personnage d'Ilulu et toutes les autres dans son genre ont suscité beaucoup de débats. Et même si la question peut parfois être vite répondue, je me dis quand même que ceux-ci n'ont pas été provoqués pour rien. Et font finalement que j'en arrive à ce genre de réflexion. Alors attention, je risque d'aller très loin. Mais quand on regarde les choses objectivement parlant, l'auteur crée son histoire, l'auteur sait ce qu'il fait et le fait pour quelque chose. Donc finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est quels sont le genre de finalité qu'a voulu toucher l'auteur avec ses particularités physiques dont il savait pertinemment l'étrangerie. Et c'est là qu'on touche des domaines beaucoup plus bressons, qui font que je ne peux véritablement jamais lâcher cette idée et laisser libre cours à mon visionnage. Et je pense que c'est même quelque chose d'instinctif. Car s'il y a quelque chose dont vous pensez avoir honte, ou alors ne pas l'assumer, hein, imaginez-vous en train de le montrer à vos parents, ou alors à certains de vos amis, ou vraiment à vos parents si vous n'avez pas d'amis, bah si vous auriez du mal, c'est alors qu'il y a un problème. Comment moi, je pourrais justifier à mon entourage que je regarde un animé avec des mecs de dragon au gros sein, avec une légère relation lesbienne entre les deux, avec en plus une loli techniquement légale et une autre loli techniquement légale aussi, avec d'énormes seins malgré son petit corps d'enfant? Vous m'expliquez? Comment je justifie ça?
Mais finalement, la pensée finale que je me fais, et peut-être vous aussi, c'est vraiment comme on me l'apprend depuis tout petit, c'est de ne pas juger sur les apparences. Et ce, peu importe la forme en fait. Illulu, malgré sa conception de design, voulue par son auteur, est un personnage plus que entier. Elle comble un rôle que personne d'autre ne comble dans la série, celle de la petite sœur un peu plus âgée que Kana, et avec un pied un peu plus ferme sur Terre que la plupart de ses congénères. Et également, par la suite, plus que de se concentrer sur sa conception comme le ferait toute personne normale, on se concentre sur sa personnalité, et son tempérament expliqué par son passé et les erreurs qu'elle a faites. Et ça, je pense que c'est une très bonne façon de directement créer un personnage ou même une entité. Il suffit simplement de lui insuffler des sentiments, une réflexion et une histoire qui va peut-être venir dérailler le chemin de celui-ci, pour finalement faire des erreurs ou au contraire des prouesses. Donc ici, le ressenti et la logique veut qu'on compatisse pour Illulu, car malgré tout, elle regrette ce qu'elle a fait, elle a quand même envie de changer pour les autres, et symboliser tout ça à travers le simple fait de se retenir de jouer au jeu avec les autres, bah ça nous fait arriver à la constatation que c'est une simple gosse en fait. Son environnement l'a forcé à grandir très vite, et même trop vite, et du coup on se retrouve avec ce genre de choses. Et de surcroît, la réaction de Kobayashi va guider Illulu vers une rédemption passive, comme ça devrait être normalement le cas, plutôt que de se pardonner en se punissant éternellement, mieux vaut le faire en acceptant ce qu'on a fait, et continuer malgré ça en essayant de faire mieux par la suite. Et je ne pensais à vrai dire jamais assister à une telle bonne morale dans Kobayashi. Surtout par la milf au gros sein et au nom imprononçable. Quetzalcoatl, ta grand-mère. Donc finalement, je ne sais pas s'il y a un connecteur logique entre tout ça et son chara-design, mais si c'est le cas, bah j'apprécierais. Et je pourrais dire que j'ai l'art de m'attarder sur les petites choses. Et ça marche dans les deux sens en plus, hein. Vous avez compris, hein, les petites choses, donc les détails, et aussi, mais aussi les lolis, parce que c'est des petites choses, quoi, Pourquoi j'entends la police aussi ? Et je pense, en gros, pour conclure le débat, que si la particularité physique de Illulu était vraiment faite pour attirer les lolicons ou autre chose chelou, bah la forme serait peut-être largement plus mise en avant que le fond. À quoi bon développer autant un personnage et mettre autant d'efforts dans son insertion au casting, si c'est pour finalement ne s'attarder que sur ses seins? Je pense que la question est vite répondue. Mais une vraie question qu'on se pose tous, c'est... est-ce que vous avez déjà léché les deux boules d'un mec ? Il faut juste à mon avis profiter de ce retour explosif de Miss Kobayashi ainsi que de Kyoto Animation et de voir ce que tout le reste a encore à offrir. Sachant en plus l'insertion d'un tel personnage qui même une fois les monstres de son passé affrontés peut encore fournir plein de choses pour rythmer correctement la série. Donc finalement, ouais ça fait beaucoup de finalement, je pense qu'il ne faut simplement pas juger un livre de par sa couverture et qu'il faudrait des fois voir un peu plus loin histoire d'être sûr de savoir, quitte à être déçu après. Et perso, ça n'a pas été mon cas. Mais attends mais putain, elle tire des missiles avec ses seins ? C'est donc ça la Japanimation ? Putain, j'adore ma vie ! J'aime et j'adore toujours Miss Kobayashi, et j'ai très hâte du prochain épisode qui sort pour finalement vers la fin l'aborder totalement en vidéo et voir si une saison 3 est possible. Héhé ! Tout compte fait, j'aime bien ce genre de petite vidéo détente où je peux parler de tout et n'importe quoi, hein. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ou lâcher un petit like, un petit abonnement si c'est pas fait, ça fait toujours plaisir, hein. Donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao, bye. Trouble, no matter the foe, and an ally, no, we'll be alright. So when we meet again in a whole nother life, the girls that you like and I'll show. En vrai, le perso, il est vraiment un peu chelou, quoi. Hein. Vous savez, c'est un petit peu les sketchs des dessins animés américains qu'on vous fait quand, vous savez, il y a trois petits enfants qui sont superpositionnés et ils essayent de se faire passer pour un grand pour entrer au cinéma ou autre. Bah, sauf que là, c'est pas voulu et, bah, c'est japanisé, quoi. C'est spécial.